to your favorite modern world. Salut tout le monde! En attendant de retrouver une certaine stabilité après la brutale disparition de David, Big Big Train recycle du matériel. Ingenious Device met au goût du jour trois grands formats de leur discographie, des morceaux réenregistrés chez Peter Gabriel avec des cordes. Ils nous offrent également un titre live et y ajoutent un inédit d'une minute et 20 secondes. Alors, je connais tous ces titres sortis du cours The Book of Ingenious Device, ce qui ne m'a pas empêché de m'offrir l'album. En fait, pour tout vous dire, je n'avais même pas réalisé qu'il s'agissait de morceaux déjà enregistrés sur de précédents albums. Je me suis dit « Chouette ! Un nouveau Big Big Train !» Eh ben non. Suis-je déçu pour autant ? Ben non, pas franchement en fait. Car si j'ai presque toute la discographie de Big Big Train, je ne l'écoute pas très souvent. À la sortie de l'album, le disque tourne en boucle à la maison, et une fois rangé, je n'y reviens plus beaucoup. Il faut dire qu'il y a beaucoup de musique à écouter. L'album est une sorte de compilation musicale et technologique avec une trilogie des rails jusqu'à l'espace. Le premier morceau, East Coast Racer, est tiré de English Electric Part 2. Le titre gagne 3 secondes et beaucoup de cordes au passage, ainsi que plein de cuivres, des arrangements que le groupe ne pouvait pas s'offrir à l'époque. The Book of Ingenious Device jette un pont entre East Coast Racer et Brooklands. Le 8e titre de Folklore perd quelques secondes, mais gagne une nouvelle section rythmique au passage. Il s'agit, d'après moi, du plus réussi des 3 morceaux de cet album. Je trouve que l'apport des cordes est particulièrement brillant ici. La sonde Voyager, en cette partie, est née dans Grand Tour en 2019. Le titre était déjà enregistré à l'époque avec un bel ensemble à cordes. Enfin, la version live de Atlantic Cable, un titre de Common Ground, n'a hélas pas trouvé grâce à mes oreilles. Et la raison de ce désamour n'est pas bien compliquée à comprendre. Ce n'est pas David qui chante, mais Alberto Bravin. Et comme vous le savez, je suis douillé avec les voix. Déjà que la version studio de 2021 ne m'avait pas vraiment fait grimper au rideau, je trouve celle-ci relativement, on va dire, bordélique. Ingenious Device n'est clairement pas indispensable. Les fans de Big Big Train agrémenteront leur collection avec. Pour ma part, je vais me contenter de la version digitale. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve bien entendu lundi prochain pour une nouvelle chronique. Allez, bisous !